Mes amis, Israël s'est égaré dans le désert, mais il a fait une chose importante. Il a clamé Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Psaume 107:7, le Seigneur Dieu les a conduits. Il les conduisit par un chemin tout droit. Dieu ne conduit personne sur un chemin tortueux. Si vous êtes en train de marcher sur un chemin tortueux, ce n'est pas un chemin de Dieu. Le chemin de Dieu est ici, dans la parole, pour qu'ils aillent habiter dans une ville. C'est une foule et chacun d'eux est allé dans une ville et là, ils ont trouvé leur maison. Ne soyez pas désespérés, non. Vous avez besoin d'une maison, parlez avec Dieu. Demandez qu'il guide vos pas et il va vous guider sur un chemin droit. Jamais sur une mauvaise voie, vous arriverez à la ville où vous devez habiter. Cette personne y est arrivée. Qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Missionnaire, j'ai senti une faiblesse très grande de la hanche vers le bas. Depuis combien de temps? Ah, ça fait déjà un an, plus ou moins. Comment est-ce que vous marchiez? Comme ça. Pour traverser une rue, je devais donner la main à mon mari, vous savez. Parce que c'était dangereux. À présent, vous marchez mieux. Allez, marchez mieux. Allez, marchez, car vous êtes guéri. Oh, gloire à Dieu. Dieu a déjà fait l'œuvre. À présent, on va prier. Père, j'étends ma main en faveur de tous ceux qui ont besoin d'une aide. Je réprime le mal qui est dans ses vies et j'ordonne qu'ils sortent, qu'ils battent en retraite et ne reviennent plus. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen.